Good morning, Aleida, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Amramira, Ben Chana Pigibat Esther, Nissim Ben Aouda, et aussi Rufouat, Efrat Mayan, Bat Léa, Betor Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avodah Zara, Perek Bet, El Ma'amidin, Behema, Bepundeka Ot Shel Goim, Mipenei, Shechashudim, Al Harevia, Venoti Tachedisha Imahen, Mipenei, Shechashudim, Al Harayot. ולא יתייחד אדם ממהן, מפני שחשודים על שפיכות דמים. בת ישראל לא תיילדת הנוכרית, מפני שמיילדת בן לעבוד הזרה. אבל נוכרית מיילדת בת ישראל. בת ישראל לא תניק בנה של נוכרית, אבל נוכרית מניקה בנה של ישראלית ברשותה. Une Mishnah un peu délicate à présenter au grand public. On va parler de toutes choses qu'on n'a pas le droit de faire avec des goyim, parce que on les soupçonne. On craint qu'ils vont faire certaines actions très mauvaises, très méchantes, très basses, tuer, violer, faire d'autres sortes de choses vraiment pas morales, et pire que ça même. Mais c'est-à-dire, les Mefarchim expliquent que tout dépend des pays. En réalité, à notre époque, dans le monde moderne, où il y a un système législatif très rigoureux envers ceux qui font ça, qui font toutes sortes de... qui peuvent tuer ou quoi que ce soit, donc de ce fait, la halakha va changer. Mais imaginez quand, à l'époque, je sais pas moi, les petits villages de Pologne où il y avait les Cosaques qui avaient bu un coup de trop et qui débarquaient dans la ville et qui tuaient tout le monde, on parle avec des types de goyim pareil, d'accord? À vous d'adapter, de déduire ce qui est concret ou pas, ça dépend pourquoi, pour chaque chose. « En ma'amidin behema bepundeka ot shel goyim, mipenei shechashudim ala revia. » Il ne faut pas mettre à garder un animal dans une auberge de goyim, mipenei shechashudim ala revia, parce qu'on craint que les goyim vont aller avec ces animaux. Soit notion assez originale quoi. Les goyim ils ont un yetzara de harayot beaucoup plus grand que nous. Ils sont chashudim ala mishkav zachur, même d'aller entre hommes et même aussi avec des animaux. C'est apparemment assez, il y a une fréquence, ça apparemment. Et donc de ce fait, la Mishnah nous enseigne, puisque le goy n'a pas le droit d'avoir un rapport avec un animal, tout ça c'est déduit du même pasuk de Harayot, ouais, dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 Mitzvot du Bnei Noach, il y a là-bas Gilo Yarayot, aller avec l'inceste. L'inceste, ça implique même aussi de ne pas aller avec un animal. Il y a marqué dans le pasuk dans chez Adam Arishon, Vayu le Basar Echad, Alken Yazovich et Ishto, et Aviv et Imo, Vedavek Be Ishto, Vayu le Basar Echad. Il faut s'unir avec ce qu'on est apte à avoir des enfants avec eux, soit un homme avec une femme, et pas un homme avec un animal, ni un homme avec un homme. Donc de ce fait, tout ça c'est des harayot, puisqu'ils sont chashudim à ça, alors on ne peut pas leur laisser à garder un animal, d'accord? Ensuite, parce que si on leur laisse l'animal, on transgresse l'interdit de l'ifné, hiver, l'otiten, mirchol, on n'a pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle, puisque le goy, il n'a pas le droit de transgresser, j'ai pas le droit moi de le provoquer, de l'inciter à transgresser non plus. Donc ça, c'était pour la behema. Deuxième chose, une femme n'a pas le droit de s'isoler, on traduit d'abord littéralement, n'a pas le droit de s'isoler avec eux, parce qu'on craint qu'ils risquent de la violer, d'avoir un rapport avec elle. Plus précisément, tout d'abord, le issur ichoud, de s'isoler, ça implique même les juifs, entre eux. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. C'est une règle qu'il faut bien connaître, elle est très stricte, c'est très compliqué. Pour vous donner une idée, par exemple, j'avais Baruch Hashem, on a ma femme qui a accouché récemment, il y avait ma belle-mère qui est venue nous aider, et puis il y a eu un problème, parce qu'il y a eu une nuit où mes enfants n'étaient plus à la maison, j'étais là avec un garçon à moi, et de ce fait, ma belle-mère ne pouvait plus rester à la maison, il y a la chôte stricte, il y a un issour de yichoud, beaucoup de gens négligent ça, il faut savoir, c'est une phrase que le Chazon Ish avait dit une fois, que quand il avait entendu qu'il y avait eu malheureusement un adultère qui s'était passé entre deux personnes relativement respectables, qui tout le monde a été un peu choqué, alors le Chazon Ish, il a dit qu'ils aient fauté après coup, c'est presque naturel. N'importe quel homme, lorsqu'il est isolé et qu'il y a eu un moment d'évasion, n'importe quel, le problème n'était pas de passer à l'acte. Le problème, c'est pourquoi ils n'ont pas mis des barrières. Quand la Torah, elle nous dit ne fais pas telle chose parce que tu risques de fauter et de faire une chose beaucoup plus grave, si tu as fait tomber la barrière et qu'après tu as fauté quelque part, c'était normal que tu allais fauter ensuite. Le problème, c'est pourquoi tu t'es pas préservé depuis le début à ne pas entrer. Et tout ça, ça commence avec le problème de Yichoud. Tous les gens qui négligent dans toutes sortes de milieux où on est plus, il y a plus de rapports entre les couples.
je rallonge un petit peu parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, étant donné que j'ai déjà entendu des cas graves qui ont pu se passer. Le problème, il commence qu'on ne respecte pas les barrières naturelles. Il se met à parler avec elle facilement, ils peuvent se faire la bise, ce qui en soit même très grave. Et comme ça, il y a une familiarité qui se fait. Et puis après, on ne comprend pas pourquoi, d'un coup, un jour, elle s'est disputée un petit peu avec lui, elle est partie voir sa copine. Là, la copine n'était pas là, c'est lui qui l'a consolée. Puis finalement, ouais, ça commence là le problème. Ça, on ferme la parenthèse pour le Yichud, ça se trouve dans sa fin de Masechet Kiddushin. Et maintenant, on revient sur notre sujet. De ce fait, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Donc, quel est le Chidouj à la Mishnah qui me dit qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy? Réponse. Une femme a le droit de s'isoler avec un couple. Soit la femme de Shimon, elle peut partir dans la maison où se trouve Réhouven avec sa femme. Parce qu'on a une règle que la femme surveille le mari qui ne va pas partir avec une autre femme. Ça, c'est pour une femme juive. Pour une femme goya, ça la dérange moins. De ce fait, même si un couple, Gustave et Gustavette, ils sont tous les deux avec Sarah. Eh bien, Sarah, si elle va s'isoler avec eux, ils vont se retrouver dans une chambre tout seul, enfermé. Il y a un risque que le goy, il est capable de faire des abominations, même en présence de sa femme. Sa femme ne verra pas un grave problème en soi-même. Et de ce fait, donc, l'autre yitiached isha imahen. Suite de la Mishnah. Velo yitiached adam imahen, mipnei shechashudim al shfichud damim. Alors là, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy. Pour quelle raison cette fois-ci? Parce qu'on craint qu'il va peut-être avoir un petit coup de folie, un petit élan de folie, et le tuer. Chashud à la shfichud damim. Stam un goy, c'est sur ça que j'ai précisé au début du cours. À notre époque, les Mefarchim m'expliquent que c'est peut-être différent, que c'est plus aussi évident en tout cas, étant donné qu'il y a des graves enquêtes, il y a des colombos dans toutes les polices. De ce fait, on va pas. Les gens, ils ont une peur de la malchoute. Si c'est le cas, alors c'est le cas, et si c'est pas le cas, s'il peut tuer sans bavure, alors dans ce cas-là, il faut craindre, et dans ce cas-là, interdit de s'isoler avec un goy. D'accord? De peur qu'il tue. Retenez bien ça, parce que maintenant on va prendre d'autres halakhot dans la suite de la Mishnah et même dans la prochaine Mishnah. Et les halakhot qu'on va prendre vont poser un certain problème, il va falloir répondre comme c'est l'habitude de le faire dans la Gemara. Regardez, Bat Israël, maintenant, autre sujet. Bat Israël, l'ote yaledet anochrit, mipenesh eme yaledet ben l'avodazara. Une femme Israël, une juive, qui est sage-femme, elle n'a pas le droit de faire accoucher une goya. C'est assez compliqué. On va apporter une précision importante, mais pour le moment, pourquoi? Mipnei shemeyaledet ben l'avodazara, étant donné qu'elle est en train de l'aider à accoucher un enfant qui va être un oved avodazara. Soit, d'abord on répète, de manière générale, un bon goy qui se respecte, alors il est fidèle à son idole, et de ce fait, l'enfant qu'elle va accoucher, alors elle va le consacrer à l'avodazara, ça va être forcément, il va être oved avodazara de ce fait. J'ai pas le droit, moi, d'aider un goy à mettre un oved avodazara, quelqu'un qui va être un idolâtre. J'ai pas le droit à aider le goy à mettre un idolâtre au monde. De ce fait, une femme juive qui est sage-femme, elle ne peut pas, en théorie, faire accoucher une goya. Maintenant, on précise sur ça, bien évidemment, tout ça, c'est que quand c'est gratuit. Mais si c'est bisrar qu'elle se fait rémunérer, elle a le droit de le faire, mishum eiva, pour ne pas commencer à irriter les goïms, vous les juifs, vous faites bande à part, vous faites pas bande à part. De ce fait, ce qu'un goï il fait avec tout le monde, je devrais le faire. Un goï de manière générale, s'il touche pas d'argent, il va dire ben, débrouille-toi, accouche toute seule. Alors la femme aussi, elle va lui dire la même chose. Mais si toutefois, on vient la voir, on lui dit ouais, on te paye, t'es la seule, mais il y a les dettes, t'es la seule sage-femme qui peut venir faire accoucher la goïa, et qu'elle se fait payer, alors elle n'a plus d'excuses. Précision importante, ça se fait dans le Tifret Israël, uniquement Bechol, lo Bechabat. Quand on fait accoucher une femme, on transgresse plein de issours de la Torah, parce qu'on a le droit de transgresser des issours de la Torah du Shabbat. Ouais, quand ça se passe le Shabbat, une femme qui fait accoucher une sage-femme, elle transgresse beaucoup d'interdits de Shabbat lorsqu'elle fait accoucher pendant Shabbat. Alors ça, tout le éther, il a été donné que pour une juive et pas pour une goya. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement, une infirmière ou une sage-femme à l'hôpital qui est allée à l'hôpital en France, qui doit soigner des goyim, comment elle fait? C'est une grande galère, j'ai aucune idée. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un problème, demande un rave, c'est pas le sujet tout de suite. Mais voilà. Donc, Bat Israël, on reprend. Bat Israël, l'autre yaled et anochit, une juive ne fera pas accoucher une goya. Pourquoi? Parce que Mipnei Shemeyaledet ben la Avodazara, étant donné qu'elle fait accoucher, elle fait naître un enfant pour la Avodazara. Par contre, Aval Nochrit, Meyaledet Bat Israël, une goya peut faire accoucher une juive. Il n'y a pas d'interdit. S'il y a une sage-femme goya, elle pourra faire accoucher la juive. Il y a un problème. C'est qu'on a appris juste avant qu'ils sont chashudim al-shfichud damim. N'importe quel goy
on craint qu'il va avoir un élan de folie et qu'il va se mettre à tuer, qu'il peut tuer facilement. De ce fait, quoi de plus facile que de faire sortir un petit enfant et aller savoir qu'est-ce qu'on peut lui faire pour faire qu'il va rentrer en difficulté. Il y a déjà eu des histoires, ça vous intéresse. Il y a eu à Koltora par exemple, je ne sais plus à quelle période de guerre, peut-être quelle tension qu'il y avait entre les Arabes. Ils ont attrapé une fois les Arabes qui travaillaient en cuisine en train de mettre un chat dans le tchunt du Shabbat. Ils sont mis à cracher dans la casserole, dans les casseroles, dans d'autres yeshivot. C'est fréquent. Ils sont rachoudim à faire des coups de crasse par derrière. Et s'ils peuvent même planter un petit couteau, s'ils peuvent même prendre le petit tinoc, le petit bébé qui vient de naître, et jouer un petit peu en lui appuyant un petit peu sur la frontanelle ou quoi que ce soit, et dire qu'il est né comme ça, ils risquent de le faire. Ils sont rachoudim à la shfichut damim. De ce fait, question, comment c'est possible qu'une femme Goya puisse faire accoucher une Bat Israël? Et sur ça, la réponse, elle est rapportée dans le Bar Tenora. Nochit me'aledet Bat Israël, parce que bisman shacherot omdot al gaba. Lorsqu'il y a dans la chambre d'autres personnes qui sont aussi présentes. Alors dans ce cas-là, on ne craint pas qu'elle va mettre un petit coup par derrière parce qu'elle risque de se faire attraper. Mais par contre, si toute seule dans une chambre où est-ce qu'elle va se retrouver toute seule avec la Goya, alors effectivement, la Goya n'a pas le droit de faire accoucher. Maintenant, précision du Tiferet Israël, de nouveau, à notre époque par exemple, où une sage-femme, si toutefois elle va avoir un accident, elle va avoir une enquête terrible dans la tête, ça va pas se passer facilement. De ce fait, ils ont la Emat Malchut. Ils ont peur de la malchoute, de l'État, des tribunaux, de la justice. Voilà. La justice, de ce fait, alors là, il n'y a plus de crainte, on peut accoucher grâce à une goya. Ok. Suite maintenant de la Mishnah, Bat Israël lotanik bena shel nochrit, une juive n'allaitera pas un bébé goy. Ouais, c'était fréquent à l'époque d'avoir une nourrice, justement la nourrice s'appelle nourrice parce qu'elle nourrit l'enfant. Elle, c'était un de son travail, c'était de l'allaiter. Il y avait des femmes qui avaient spécialement, comme il y a des vaches à lait, il y avait aussi des femmes à lait qui sont capables pendant longtemps, même après l'accouchement, de continuer à entretenir un cycle de lait assez fréquent. De ce fait, c'était la nourrice. Donc, une juive ne peut pas être nourrice pour un goy. Elle ne peut pas l'allaiter. Pour quelle raison? Comme précédemment, parce qu'elle est mégadélète ben la vodazara. Il s'avère qu'elle élève un enfant qui va être un idolâtre. À notre époque, si on est dans une famille goy laïque, alors il n'y aura plus d'interdit, apparemment, je suppose. Donc, Bat Israël lotenik bena shel nochrit. Par contre, aval nochrit, regardez de nouveau, une goya, menika bena shel israélite birshuta. Elle pourra, oui, allaiter, donc être une nourrice pour une juive, si elle est dans la propriété de la juive. C'est-à-dire, d'abord, premièrement, quelque chose qu'après réflexion, j'ai réalisé que c'était écrit ici, quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdit à boire du lait d'une goya. D'accord? Le fameux midrash avec Moshe Rabbeinu, presque mes frères dans le psukim, que Moshe Rabbeinu ne voulait pas boire, c'était là-bas une midat rassidoute, parce que la bouche, ouais, Moshe Rabbeinu, vous connaissez l'histoire, bien sûr. Lorsque Batia a trouvé Moshe Rabbeinu sur le Nil, elle a essayé de chercher une femme qui allait pouvoir l'allaiter, et il voulait boire de personne, jusqu'à qu'on est parti appeler la mère de Moshe Rabbeinu, en l'occurrence, pour lui donner à manger. Et pourquoi ils voulaient pas boire là-bas? C'est pas qu'il y avait un interdit dans ce lait. C'est que finalement, puisque ça vient d'une goya, c'est un halav tamé. C'est un lait impur, et ce n'est pas digne de la bouche qui allait parler avec la shrina ou en Sinaï de boire du lait qui était pas assez pur. Mais en réalité, il n'y a pas d'interdit pratique. D'accord? Par contre, aval nochrit, donc c'est ce qui est écrit, que Bat Israël lotenik benachel nochrit. Par contre, nochrit, une goya, elle peut allaiter un enfant juif, birshuta, à condition que ça se passe dans la propriété de la mère. Elle n'a pas le droit, elle ne peut pas prendre l'enfant et l'amener chez elle. On ne peut pas avoir, selon la Mishnah, tel que c'est écrit ici, on ne peut pas avoir une nourrice goya, parce qu'on va craindre de nouveau qu'elle va lui mettre un mauvais coup, ou peu importe. À notre époque, bien évidemment, on fait des autopsies, ça ne se passe plus aussi facilement lorsqu'on retrouve une nourrice qui a eu un enfant mort chez elle. Eh bien, elle a toute une enquête, elle risque fort d'être pincée, de se faire attraper. De ce fait, cet interdit n'est plus en vigueur à notre époque, c'est comme ça que ça rapporte aussi dans le Tiferet Israël. D'accord? On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de la Sartre à Koltouf, c'est là.